Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je vous avoue que je me suis endormie, il devait être 4h du matin. J'ai dû me lever là parce que j'ai encore une échographie. Donc la semaine passée, c'était chez l'échographe. Là, attention, c'est chaud. Là, c'est chez mon gynécologue. Vous savez, j'ai passé des examens. J'avais de nouveau fait le diabète gestationnel il y a 2 semaines. Puis j'avais fait le coronavirus, etc. Donc là, je vais voir mes examens, je pense. Enfin, voir les résultats. Parce que c'est mon gynécologue qui les a. Et voilà, je sais pas pourquoi. Il a besoin de me revoir. Je vous avoue que d'un côté je suis contente et de l'autre côté je me pose quand même des questions quoi. Donc voilà, mais je vous avoue que j'ai vraiment aucune idée de pourquoi je dois y retourner aussi rapidement. Je sais pas du tout. Vraiment. Fait un petit frozen berry, j'adore. Franchement, il donne envie de le manger, ce thé, c'est incroyable. Il est évidemment compatible avec la grossesse. Donc à l'intérieur, vous avez de la framboise, de la coco, des feuilles d'ortie, vous avez de l'ananas, de la papaye, enfin voilà, vous avez plein de trucs. Et en plus de ça, c'est bourré de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Donc c'est topissime pour le corps. Voilà, j'adore avec mon thermo. Franchement, c'est le thermo le plus stylé que j'ai jamais eu. Je monte sur leur site, ils ont sorti un nouveau thé qui est comme ceci. C'est le Strawberry Vanilla Detox Tea qui a l'air incroyable. Il est compatible avec la grossesse. Donc je vais tester celui-là. Hop. Pour avoir 4 cadeaux gratuits. Hop, il faut que j'arrive à un total de 69 euros. Je rajoute ça. Ils sont trop beaux. À partir de 69 euros d'achat, vous avez 4 cadeaux gratuits. Donc là, je mets mon code promo qui est Mélanie Gift. Appliquez le code. Là? Ouais. C'est bon, hein? Ah, d'accord. Bon, alors le bébé va très très bien. Il est pas trop gros du tout, au contraire, c'est un petit bébé. Donc voilà, en fait, c'est moi qui ai pris tout le surplus. Là, il s'est un peu tourné. La tête, elle est toujours en bas, mais il a échangé où il avait ses fesses avec son dos. Donc voilà, je me disais, je sens plus de coups d'un côté que de l'autre, c'est bizarre. Et en fait, c'est normal, j'ai rendez-vous tous les 15 jours à partir de maintenant parce qu'on arrive gentiment vers la fin. Donc voilà, mais tout va bien. Merci pour tous vos messages, vous êtes trop mignons. J'ai une question. Je vais vous mettre un sondage si vous pouvez y répondre, s'il vous plaît. Le linge de bébé, il faut que je le lave 2 fois avant qu'il le mette, genre une première fois et après une deuxième, ou juste une fois, s'il vous plaît. Alors, pour celles qui me posent la question, depuis quand mon bébé il est bien positionné? Donc, je vous explique, je suis en train de foutre un merdier dans le dossier, il a pété les plombs, mon gynéco. Depuis 21e, la 21e semaine, en gros, il est en siège là. Et là, je vois que c'est écrit qu'à partir du mois de mars, il me semble, le bébé, il est prêt. Il est prêt, il a la tête en bas. Ouais, il est prêt. J'espère vraiment qu'il va jusqu'à terme. Mais il est prêt. Juste, il a son dos une fois à gauche avec ses fesses et après une fois à droite. Voilà. Il fait une petite danse. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il a la tête en bas. Voilà.